Bienvenue à Nieuport. Le tram du littoral m'a amené au lieu-dit le Cail, tout près de la Minque. À proximité, le parc Moritz, dont la sculpture commémore la bataille de Nieuport en 1600. Du fabuleux point de vue le long du canal, on peut observer la réserve naturelle, que l'on ne visite qu'avec la présence d'un guide. Les drapeaux de Daniel Buren trônent à quelques pas du port de Plaisance, à l'ombre du monument au roi Albert Ier. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on est à Nieuport et on prépare ensemble un filet de sole aux asperges. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a ici, bien sûr, de très beaux filets de sole de la mer du Nord. On a ici aussi trois magnifiques asperges, trois échalotes, un petit peu de beurre salé, de l'estragon et juste un petit trait de jus de citron. Alors, pour travailler l'asperge à cru, c'est simple, regardez. On les a épluchés, on va les couper en deux et puis on les recoupe simplement en deux. Voilà, et pendant que vous faites ça, vous pouvez déjà commencer à préchauffer votre poêle. On va simplement aussi couper en deux les filets de sole, simplement en deux. Les échalotes, c'est pareil. On ne va pas émincer ça trop finement, mais on va couper ça plutôt en quartier, encore une fois, pour ne pas l'utiliser simplement comme un condiment, mais on va la retrouver comme un légume dans la préparation. Voilà, alors regardez, notre poêle ici, on sent qu'elle commence à chauffer. Alors on va y mettre quand même un bon 50 g de beurre. Voilà, vous voyez que quand le beurre est fondu, on va délicatement déposer nos petites frites d'asperges. Voilà, et on va pouvoir déjà mettre aussi sur le côté nos petites échalotes qui vont aussi commencer à prendre la chaleur. Voilà, et on va déjà aussi commencer à mettre quelques petites feuilles d'estragon. Comme ça, à suer comme ça pendant 3-4 minutes, on va rajouter un petit bouillon de légumes ici dans lequel j'avais mis un petit peu d'huile d'olive comme ça. Là, on va mettre 4 petites cuillères. Voilà, et on met le couvercle et on va cuire à peu près pendant 5-6 minutes comme ça. Alors pendant ce temps, on va s'occuper d'assaisonner nos filets de sole parce qu'on va les poser simplement dessus. Regardez ce qu'on obtient. On a le petit jus qui est à peine réduit. Et on a encore quand même suffisamment de liquide. On va simplement venir poser dessus nos filets de sole qu'on a assaisonnés. Regardez ça, 4 minutes de cuisson. Vous voyez ces petits ourlets comme ça sur le bord du filet? Ça, c'est signe que la cuisson est prête. La seule chose que vous faites avant de servir, c'est que vous venez rajouter quelques belles petites dernières feuilles d'estragon hein, pour renforcer un petit peu. On remet juste sur le dessus 2 à 3 gouttes sur chaque poisson, mais vraiment, on peut presque les compter. Hein. Donc voilà, ça c'est ce que nous a offert Nieuport aujourd'hui, ça, la vue et le soleil. N'hésitez pas, dans les restaurants, dans tous les beaux établissements de Nieuport, à venir déguster les beaux poissons et je suis sûr que vous m'en direz des nouvelles. Bon appétit!